Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça y est, Apple a dévoilé iOS 14.4 pour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les quelques nouveautés d'iOS 14.4, les corrections de bugs, et puis en deuxième partie, on verra vos commentaires et surtout les bugs que vous m'avez remontés dans les précédentes vidéos. Et puis, si vous aimez les nouveautés iOS, vous n'êtes plus qu'à un clic du bonheur, puisqu'en vous abonnant, vous ne manquerez aucune vidéo. Entre deux vidéos d'aspirateur, on parle également d'iOS. Allez, c'est parti. Concernant iOS 14.4, la mise à jour fait un petit peu plus de 4Go. Vous la trouvez évidemment au même endroit que d'habitude. Dans les réglages général et mises à jour. Et on commence tout de suite par une première nouveauté. Alors pour ça, on va dans les réglages Bluetooth et on va sélectionner les informations d'un des écouteurs. Je clique sur le i et regardez, on a la possibilité de classer les appareils par type d'appareil. Donc ici, c'est un écouteur. Et si vous utilisez la sécurité des appareils, vous allez avoir des notifications plus précises puisque le son n'est pas le même si vous utilisez un appareil auditif, un autoradio ou des écouteurs. Donc ça va être un petit peu plus précis. Ça va aider iOS. Deuxième nouveauté, ça concerne les QR codes et avec iOS 14.4 Apple annonce qu'on va enfin pouvoir euh, scanner des QR codes un petit peu plus petits donc je suis dans le centre de contrôle je lance l'application qui correspond au QR code je vais scanner un QR code donc ici j'ai récupéré un pas très grand voilà donc ça fonctionne après je sais pas jusqu'où on peut aller autre nouveauté, iOS 14.4 va vous envoyer une notification si votre appareil photo a été changé et si celui-ci n'est pas authentique. Alors ça peut être utile si vous avez été voir un réparateur non agréé et qui vous a changé le bloc optique. Si celui-ci n'est pas conforme, vous allez le savoir très rapidement. Autre nouveauté, ça concerne les apps clips qui se lancent maintenant depuis NFC, Safari, Message ou bien même l'appareil photo. Autre nouveauté qui concerne l'accessibilité. Alors, il y en a une qui concerne les actions du rotor avec app avec toucher direct. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien. Je reviendrai vers vous dès que ça fonctionnera. Et l'autre, c'est pas vraiment une nouveauté. Ça concerne le contrôle de sélection et c'est un correctif. Lorsque vous utilisez cette fonction du contrôle de sélection, vous pouvez avoir un problème pour recevoir des appels lorsque euh, bah, ce contrôle de sélection est activé. C'est donc corrigé avec iOS 14.4. Autre correctif, ça concerne des artefacts qu'on peut retrouver sur certaines photos prises en HDR avec un 12 mini, 12, 12 pro ou 12, 12 pro max. Personnellement, je n'avais pas rencontré le problème. Je vous ai demandé lors des précédentes bêtas euh, si vous aviez rencontré le problème. Je n'ai pas eu d'exemple. J'imagine que c'est très rare. En tout cas, c'est corrigé avec iOS 14.4. Autre nouveauté cachée dans iOS 14.4, c'est l'arrivée des airtags. Alors regardez si je tape ça sur Safari, je valide, ça va me lancer l'application localisée et je vais arriver sur un onglet un petit peu spécial. Regardez, j'ai la possibilité d'ajouter de nouveaux périphériques. A l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, évidemment, les airtags ne sont toujours pas sortis, mais je pense que ça devrait être très prochainement, sans doute en mars. Autre nouveauté, ça concerne la fonction End of et un HomePod. Alors notamment ici le HomePod Mini, puisque le HomePod Mini, vous le savez, embarque la puce U1. Petit rappel pour le End of et le HomePod tout simplement, on écoute de la musique sur un iPhone, on approche l'iPhone du HomePod et la musique va être déplacée de l'iPhone jusqu'au HomePod. Donc ça, ça marche relativement correctement, quoique depuis iOS 14.4, ça marche un petit peu moins bien, en tout cas chez moi. Mais la nouveauté, c'est pas ça. C'est que on va sentir des petites vibrations de, de l'iPhone lorsque vous approchez du HomePod et le HomePod, lui, va s'éclairer d'une manière un petit peu différente. À partir de là, vous allez avoir la possibilité d'envoyer le son sur le HomePod. Alors personnellement, malgré le fait que mon iOS soit à jour, que mon HomePod soit à jour, ça ne fonctionne toujours pas, donc j'attends avec impatience cette fonctionnalité. Autre correctif, en vrac, alors ça concerne le message, là, euh, le clavier pouvait s'afficher dans une langue qui n'était pas la bonne, c'est corrigé avec iOS 14.4. Autre correctif, ça concerne le clavier à nouveau, et cette fois-ci, lorsqu'on tapait du texte, le clavier pouvait très bien ne pas suivre. Alors ce problème, on le rencontrait aussi bien dans Spotlight que dans Notes, on pouvait le rencontrer un petit peu partout. Autre correction, ça concerne le widget forme qui pouvait parfois ne pas s'actualiser, malheureusement, donc là, ça concerne uniquement ce widget-ci, et on le verra tout à l'heure en seconde partie de, de, de vidéo, il y a pas mal de commentaires euh, qui parlent de problèmes d'actualisation de widget malheureusement, les autres ne semblent pas corrigés. Et puis, vous êtes nombreux à me demander qu'en est-il de la DualSense à la manette pour PS5, euh, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi elle serait compatible avec iOS 14.4. Dans mes tests, elle n'est toujours pas compatible. Alors, c'est ce que je vous dis à chaque fois, elle apparaît comme DualShock, en tout cas sur le Mac, mais sur euh, l'iPhone en iOS 14.4, ou même sur un iPadOS 14.4, elle n'apparaît même pas, donc elle n'est même pas reconnue. Pour le moment, la DualSense n'est toujours pas compatible à iOS 14. On termine donc cette première partie concernant les nouveautés les correctifs d'IOS 14.4. Alors personnellement, j'ai pas rencontré de problème particulier notamment la batterie semble tenir correctement. Alors euh, c'est sûr que on va le voir juste après, mais il y a quand même quelques commentaires encore qui euh, Semble remonter des problèmes de batterie. Euh, personnellement, j'ai eu plus des problèmes avec Voiceover. Alors, dans un cas précis, j'étais dans Mail. Je lance un Mail, par exemple, et euh, une fois que je suis dans ce Mail, en fait, ça va me lire le contenu euh, de la page précédente. Donc, c'est un petit peu embêtant. Il faut redémarrer euh, l'iPhone pour que ça fonctionne. Ça fonctionne un petit peu, et puis des fois, ça peut revenir. C'est un petit peu embêtant. Mais avant de commencer cette seconde partie, vous commencez à savoir ce qui va se passer. C'est l'heure de l'interlude commercial. On va aller se dégourdir les jambes et on revient dans quelques instants. Et me revoilà pour la seconde partie de cette vidéo, donc vos commentaires et les remontées que j'ai eues lors des vidéos précédentes. Et on commence tout de suite par un bug alors qui concerne la touch sur l'application Message et pour les iPhone 12 Pro. Alors personnellement, j'ai un iPhone 12 Pro, c'est celui-ci, j'ai testé la petite touch, j'ai pas rencontré de problème particulier. Peut-être que ça vient du système en question, dites-moi dans les commentaires en tout cas si vous avez rencontré ce problème là et si la version finale a corrigé le problème. Deuxième commentaire qui revient assez régulièrement, c'est évidemment les problèmes de batterie. Alors c'est euh, il y en avait de moins en moins et puis c'est vrai que ça revient un petit peu, notamment la nuit. Alors je sais pas trop ce qui se passe. Là apparemment, c'est des cas où même euh, on est en mode avion ou les applications sont quittées. Euh, il semble encore avoir pas mal de pertes de batterie. Alors bon, c'est pas non plus un sentiment général, mais ça commence à revenir. Et euh, apparemment, Apple ne dit rien dans ses notes, donc pas d'amélioration de batterie pour iOS 14.4. Et puis je vous le disais tout à l'heure, pas mal de remontées concernant les widgets, donc forme a été mis à jour, mais il y en a encore pas mal qui posent problème. Autre problème à alors que je n'ai pas rencontré, ça concerne Outlook, alors lorsqu'on envoie une pièce jointe depuis Outlook, aucun souci, euh, par contre si on part de la pièce jointe, donc on la partage, impossible alors de mettre l'adresse mail du correspondant, dites-moi si vous avez rencontré ce problème Pogored nous signale un problème dans iOS 14.3 alors que ça soit aussi bien sur Insta ou alors sur Snapchat lorsqu'il prend une vidéo il y a un petit ralentissement lorsque, en tout cas au début de la vidéo, lorsque euh, les Airpods sont connectés apparemment il n'est pas le seul, euh, dites moi dans les commentaires si vous avez rencontré ce problème là et si iOS 14.4 a corrigé le problème puisqu'apparemment euh, ça semble pas être un problème euh, soit d'Insta euh, soit de Snap puisque les deux applications semblent être touchées. On passe maintenant au message de Maxime. Alors vous avez été très nombreux à me poser la même question. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de cette teinte verte, de ce scintillement sur les iPhone 12 Alors vous le savez, euh, ce n'est pas le premier iPhone à avoir ce type de problème. Les iPhone 11 Pro avaient euh, également un, un problème un peu similaire qui avait été corrigé euh, avec une mise à jour à iOS. Pour l'instant, il semblerait qu'iOS 14.4 ne corrige pas le problème. Euh, Dites-moi dans les commentaires si... Euh, à tout hasard, ça avait corriger le problème, mais pour l'instant, Apple ne dit rien dans les notes, donc pas de correction. Autre message, alors c'est Ben qui nous signale un problème avec Endoff. Lorsqu'il transfère un appel depuis son iPhone sur un Mac, ça plante. Alors j'ai tenté de reproduire la même chose, effectivement, ça plante sur un Mac, ça ne plante pas sur un iPad. Donc il semble y avoir un problème avec Endoff. Dites-moi euh, si vous avez le même problème. Personnellement, donc en iOS 14.4 en version finale, j'ai ce souci-là. Dites-moi si vous avez le même. Candela nous signale un problème. Avec l'application traduire. Alors personnellement, j'ai testé, j'ai pas le souci, j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai pas noté euh, de problème particulier, ça semble être un problème un peu spécifique, sans doute à iOS. Euh, Dites-nous en tout cas dans les commentaires si vous avez ce problème également. Mohamed nous signale que son clavier disparaît lorsqu'il est dans la bibliothèque d'application. Alors je sais pas du tout s'il si est en iOS 14.3 ou en iOS 14.4. Personnellement, j'ai pas rencontré le problème, donc si euh, vous avez le même problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis je termine par un bug qui m'a été remonté par Stevie sur. Euh, Facebook, alors ça concerne son iPhone 10 en iOS 14.3. Et en gros, lorsqu'il utilise l'application Message et qu'il veut envoyer un message avec les AirPods de connecter en Lightning, et euh, lorsqu'il utilise la fonction dictée, alors euh, à la fin de, de la dictée, en gros, son bouton de volume qui se trouve à gauche, euh, l'indicateur de volume en fait, va bouger tout seul. On ne sait pas pourquoi. Alors, j'ai testé euh, sur iOS 14.4, j'ai pas le problème. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, si vous avez également le problème et si iOS 14.4 a Corriger ce problème. Et puis pour terminer, quelques réponses à des questions qui sont fréquemment posées lors de ce type de vidéo. La première, c'est pourquoi n'ai-je pas la mise à jour iOS 14.4 Alors plusieurs réponses possibles. La première, c'est que si votre appareil n'était déjà pas compatible avec iOS 14, évidemment, iOS 14.4 ne sera pas compatible. Et puis une petite parenthèse d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo concernant iOS 15 et je vous disais que les iPhone 6S et les iPhone SE de première génération ne seraient sans doute pas compatibles. Ça semble se confirmer avec les dernières rumeurs. Donc, euh, adieu à iOS 15 pour les iPhone 6S. Et puis, la seconde raison, évidemment, c'est que si vous essayez un petit peu trop tôt, euh, parfois il peut y avoir des problèmes de serveur. Donc, faut attendre un petit peu. Généralement, le lendemain, il n'y a aucun souci. Et puis, seconde question qui revient assez régulièrement dois-je installer iOS 14.4 Alors, évidemment, c'est très subjectif. Ça dépend euh, de si vous avez envie des nouveautés qui sont apportées par iOS 14.4. Objectivement, il n'y a pas énormément de bugs, mais il peut y en avoir toujours. Et puis, surtout, faites vraiment des sauvegardes avant toute installation, puisqu'on ne sait pas pas Comment iOS peut réagir, ça peut très bien se passer correctement sur certains euh, téléphones et puis planter complètement sur d'autres. Et puis, depuis quelques jours que j'utilise iOS 14.4 en release candidate, j'ai pas rencontré de bugs sur la batterie, de problèmes particuliers, mais vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, à me signaler des bugs, notamment la nuit euh, que la batterie euh, semble fonctionner un petit peu trop, en tout cas se décharger assez rapidement. Du coup, n'hésitez surtout pas à me laisser tous vos commentaires euh, concernant la batterie, puis n'importe quel autre problème d'ailleurs, euh, si iOS 14.4 14.4 a réglé certains problèmes ou si iOS 14.4 en a ajouté de nouveaux. Moi, j'attends donc avec impatience tous vos commentaires. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager également, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.